Bien le bonjour YouTube et bienvenue dans le bordel de Benoît Blanc avec Benoît Blanc dans le Nuzlocke Challenge sur Pokémon Rouge Feu. Et aujourd'hui nous allons faire plein de choses incroyables. Nous allons battre le troisième boss d'arène du jeu qui va prendre un certain moment à cause des poubelles. Et on partira vers l'avant-ville à travers une grotte. Aujourd'hui j'ai capturé plein de nouveaux Pokémon, ça va être l'occasion de découvrir plein de nouvelles zones différentes. Mais pour commencer, vérifions nos Pokémon. Et tout d'abord déjà, nous allons prendre Kayas, qui est resté dans le PC. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'avais un peu la flemme mais l'envie en même temps, c'était très très bizarre. Alors, il faut que je prenne Kayas. Place de Tanky Tank. Je vais pas prendre le starter, parce que c'est... C'est tout simplement type vol aussi. Parce que c'est une arène de type électrique et du coup ça va être relativement pas évident à gérer. Paras, qui ne sert à rien, utilise Scoop. Voilà. Et cette arène va pas être évidente tout simplement à cause de ces putains de poubelles sa mère. Bah déjà pour commencer, on va niquer la gueule à tous les dresseurs, sans exception. Voilà. J'ai bien fait de augmenter le racaillou, il me sera d'une forte utilité dans cette arène. Sonic Boom, ça a piqué sa mère. Allez, moi y'a pas peur. Moi y a danger quand même. Allez, ordre contre Gay. Allez, viens par ici, petit bâtard. Wow, chaud. Bon, je l'ai one shot, c'est très bon. Voilà, c'en est fini des trois dresseurs de cette arène. Non, c'est pas là que je voulais aller. Je vais faire un dernier coup au centre Pokémon. Et maintenant, ça va être, je pense, l'accéléré de l'amour afin de pouvoir trouver les deux poubelles qui me permettront d'enlever les trucs qu'il y a là. Non. Le truc est chiant, c'est qu'en fait, si tu trouves la première, c'est bien. Il faut que tu trouves impérativement la deuxième juste après, parce que sinon ça se réactive et t'es obligé de retrouver encore le bordel. Du coup c'est assez chiant comme arène, je crois que c'est la plus chiante de toutes les arènes. Voilà. Voilà, les verrous sont remis en place. Il me semblait que c'était vers là parce que à chaque fois que je faisais cette arène, je lisais les livres à Solus. Est-ce que c'est celui-là encore? Non. Celui qui dit qu'il n'a jamais galéré à cette arène est un menteur. Je venais de me rappeler qu'en fait le deuxième verrou se trouve juste à droite du premier que tu trouves normalement. Donc là, qui vais-je balancer en premier?
Ah, dur. Le combat contre le dresseur commence. Il a utilisé une hyper potion, mais ça n'aura pas servi à grand chose. Pikachu, je vais le laisser face à Gay. Chaud. Le Pikachu n'aura pas été de grande. Et contre son Raichu, je vais balancer mon caillasse. Et nous sommes de niveau égal, sauf que la puissance de la pierre face à l'électricité est beaucoup trop énorme. Il a résisté au taquet à l'attaque roche que je viens de lui balancer. La tombe roche ne lui fait rien à cause de son esquive qui ne cesse d'augmenter. Ah, ça a touché mon gars. Et voilà, c'en est fini du champion Major Bob. J'ai moins galéré avec ça puisque je me suis rappelé comment fallait faire. On va ouvrir le paquet de l'M&M's de l'amour de la victoire. Onde de choc. Je pense qu'il apprenait tonnerre lui. Donc voilà. Encore une arène qui se passe très très bien. Comme j'utilise la puissance des types contre leur faiblesse, ben, tout ça me permet d'y arriver sans trop de mal. Alors je reprends lui. Donc c'est que je pense que pour la grotte qui mènera à l'avant-ville, je vais garder le Topicker. Parce qu'avec son attaque tunnel, ça me permettra de faire une courte sortie. Le truc c'est que je suis obligé de garder Paras pour une coupe, mais de toute façon, comme il y a un centre Pokémon juste à côté de la grotte, je pourrais le reprendre. C'est parti, nous pouvons y aller. Ah merde, j'avais oublié. J'avais complètement oublié que j'avais laissé des dresseurs ici. C'est bien. Il rate son attaque. Croc de mort. Voilà. Ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai la flemme de. D'aller soigner. Alors je vais le soigner moi-même. De toute façon, juste ce qu'il faut. Voilà. Mais profitons qu'il y a encore des dresseurs à battre pour leur casser la gueule avant de passer à une toute autre zone. Carapuce. Le mien n'a pas évolué. Mais le tien est plutôt faible. Faible, vous êtes tous faibles. Faiblards, vous êtes tous des faiblards. Merde. Ça m'a même semblé long, même avec l'accélération, quoi. Et là, ça va être la grotte de l'infini, parce que je ne me souviens plus du tout à quoi elle ressemble. Ça me reviendra certainement en la faisant. La brute, pas très efficace. J'espère. Ah oui, c'est vrai, pic-pic. J'oublie tout le temps qu'il a pic-pic Nidorino, enfin la brute, et que le type vol est efficace contre les types plantes. Ah, dur. J'imagine que j'ai pas de réveil en plus. Pourquoi j'ai un rappel? J'ai dû le trouver. Ah, si, j'en ai 4. Je n'aurai plus besoin d'esquiver une fois que je t'aurai battu. Faire l'augmenter niveau 22. Voilà.
Ouh, coup de corne, c'est très bon ça. Oui. À la place de Darvenin. Hein. Parce que Vol, c'est une attaque de type Vol qui peut toujours être très utile comme vous pouvez le voir. Merde, j'ai pas vu ce qu'elle contenait. Aéropic. Attaque très rapide et imparable, ça c'est bon ça. M'en fous, grâce à vive attaque, je pourrais te défoncer. Voilà. A plus le matchlock. Tanky Tank va se faire un plaisir de accueillir ton Onyx, ma couille. Voilà. Ouais, faire XP un peu la brute, mon gars. J'oublie quelque chose, je sais plus si je suis dans techniquement dans une nouvelle zone, mais je pense que oui. Coup de corne, ça fait pas grand chose face à ce Caninos. On va utiliser puissance. La logique. Le mec utilise du hurlement parce qu'il trouve que je suis une menace et il laisse en arriver une encore pire pour lui, quoi. Bon, tant pis. Ça mèche, tu n'es que futile comparé à mon Tanky Tank. Brouillard, ça te sera d'aucune utilité, ma couille. Allez, Dardanian, mon gars. Coup de corne dans ta face. Coup de corne dans ta face deux fois. Deux Dardanian, et ben ce sera double pied dans ta face, mon gars. Ah putain, il a la maxi résisté au queue trul, bordel. Ta furie n'est rien comparée à mon seul coup de corne. Quelle perte de temps, parle pour moi, ouais, plutôt. Huile. Azuria, route 9. Donc c'est bel et bien une nouvelle zone, donc j'ai bien bel et bien pouvoir capturer un nouveau Pokémon dans cette zone. Ça c'est parce que j'ai pas dit le suspense, c'est ça. Là je suis obligé de capturer le Piaf avec. J'en perds mon M&M tellement je suis dégoûté. Bon, au moins il sera facile à capturer. Ah, ce n'est que qui est mort. Ça que j'ai oublié d'acheter, c'est des super potions. Merde. Trop de rapidité, ma gueule. Ah, puisque je suis là, autant soigner mes Pokémon. J'aurais su regarder l'hyper potion, ça m'a permis d'en économiser une. Comme ça, j'en profite pour récupérer deux bicyclettes of Doom. Je prends aussi des potions normales, on sait jamais. Super potion, j'en prends de l'infini. Réveil, j'en prends. Encore sorti, j'en aurais pas besoin parce que avec tunnel de chenipan ça fera l'affaire. Des repousses parce que j'aurais pas besoin d'en avoir tant. On va en prendre 10. Enfin je veux dire, c'est pas comme si je cherchais plusieurs Pokémon. Je rappelle que je prends en compte. Merde. Route 5. Ça là-bas c'est la route 9. Ouais. Pousse vite les buissons ici.
C'est-à-dire que ça, on peut considérer ça comme une nouvelle zone. Mais est-ce que dans cette nouvelle zone, il n'y a que des Pokémon que je n'ai déjà par hasard? Ouf. Bon, ça fera un Pokémon de plus, toujours, c'est toujours ça. On va l'appeler Matou. Oh, puis au moins de niveau 12. Il aurait été plus puissant. Double pied ma gueule. Ampleur. Ah dur, 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 dur. Préfère pas jouer le fifou mon gars. Léonix ne... Ah merde, Léonix ne sont rien comparé au pistolet de mon tanky tanky. Anti-brûle, c'est cool ça. Un truc, hop 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 hop, voilà. Allez, balance-moi tes chenipans à la con, mon gars. Poudre toxique. Ils vont souffrir le martyr, tes connards. Oh, ampleur 10 dans ta gueule, mon gars. De rester concentré parce que je me fais attaquer quand même. Autant pas jouer le diable et bastonner ses Pokémon cailloux dès le début. À coup de pistolet à homme, à couille. Comme ça, ça fait augmenter mon tank qui tank. Déjà moins de 10 niveaux avant d'être en tortank, ça va super vite. On est que dans l'épisode 7. Hein. Route 10, mais je peux même capturer un Pokémon ici, con. Tout d'abord, pétage de gueule s'impose. Pourrais-je apprendre une capacité relativement puissante? Encore des trucs de fou comme ça. Pikachu, décidément, ils font pas le figure dans ce let's play. Je cherche pas à augmenter le top picker. Parce que la seule raison pour laquelle je l'ai pris, c'était pour l'arène électrique et pour son attaque tunnel. C'est tout. Bah, tentons allègrement de capturer. Moi déjà je suis un gros connard parce qu'il faut que je fasse la technique du doux parfum. Je vais boire un petit coca
devant le suspense de merde. Au moins, ce Piafabek aura eu la décence de me faire prendre un niveau. Il n'aura pas servi totalement à rien. Voltorb, ben capturons-le. Bouliboule, je vais l'appeler. J'adore le concept de prendre un mot, mettre i à la fin et remettre le mot derrière. Bouliboule, bouliboule, tanki tanki tank, carry carry baf baf, fati fati fat fat. Plein de trucs comme ça, moi j'aime bien, je trouve ça rigolo et stylé. Je n'ai techniquement plus besoin de coupe, techniquement et normalement, me semble-t-il. Alors, je vais déplacer celui-là déjà. Voilà. Je pense que je vais remplacer destruction de Kayas par tunnel. Comme ça m'économisera de la place et je ne peux plus tenir cette pression de lui avoir appris destruction. Pouvoir savoir que dans ce let's play je pourrais lui demander de s'auto-détruire. À quoi sert le pouvoir si c'est pour perdre un ami? Un ami virtuel, mais c'est mon copain. Bah. Enfin, bref, vous m'avez compris. Ah, c'est ok si je ne veux pas faire évoluer un Pokémon, mais moi je veux qu'ils évoluent, je veux qu'ils soient puissants toute leur vie. Grotte. Et je suis con parce que oui, j'ai besoin de Paras parce qu'il me faut Flash, nom d'une couille. J'avais complètement oublié. Je suis un con parfois. Alors, déplacer Pokémon, Paras, toi qui as Flash, retourne dans mon équipe. Désolé Rocoups, je te reprends de suite après la sortie de cette motherfucking grotte. Déjà, on balance le flash des familles. Puis, on balance une repousse pour attirer les plus puissants Pokémon comme la Caftopicker. Là, je vais pas tarder à les manger les gens, alors... On va essayer de capturer un Pokémon. Férosinge, je ne peux pas te prendre. Écoute-moi, Férosinge. Arrête de me faire du mal comme ça, t'as pas le droit. Vu maintenant que j'ai tué ce Férosinge, relancer de parfum. Ouais! La chance. C'était celui que je voulais. Je voulais impérativement trouver un Machoc, mon gars. Donc là, je pouvais pouvoir lui faire un double pied. Vu qu'il est de type combat, je pense que ça va pas trop l'affecter. Un peu quand même. Ne meurs pas, c'est tout ce que je te demande. Voilà. Fighter, je vais l'appeler le Fighter.
je vais combattre ce dernier dresseur. Et on en aura fini avec l'épisode 7 d'aujourd'hui. Un Pokémaniaque. Ocelet type sol. Coup de corne, est-ce que ce sera utile? Plutôt oui. Ocelet n'a pas fait long feu. Ramolos, Pokémon O. Oui. On se dirait pas un poudre toxique des familles. Balle graine. C'est pas pistolet O. Il sera efficace avec moi, ma couille. Et voilà, je l'ai battu. Et Kanabi passe niveau 24. Acide, c'est intéressant ça. On va oublier balle graine, même si c'est une attaque plante, tant pis. Ce sera déjà beaucoup plus puissant. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était l'épisode 7 du Nuzlocke Challenge sur Pokémon Rouge Feu. J'ai actuellement 22 Pokémon et 3 badges. Pour une durée de jeu d'approximativement 18 heures, alors que j'ai dû en faire même pas 4. Ou 3, je sais pas trop. Enfin, vous verrez bien en additionnant le. Ah bah non, même pas, vous pourrez pas additionner le temps des épisodes parce que vu que c'est du montage. Enfin, bref, je vous dis gros bisous et à la prochaine. Et normalement, dans l'épisode prochain, si je m'en sors, on sortira de cette grotte. Salut Ken! Toi ici, sans blague, Ken, tu as reçu une invitation? Où en es-tu dans ton... avec ton Pokédex? Moi j'ai déjà attrapé 40 Pokémon différents. Sauf que moi, petit PD, je fais le Nuzlocke Challenge. Et ils sont de types différents.